Répondez ton nom de peine là. Allez, ne voulez pas la chaîne là. Vous faisiez trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille là. C'était un phénomène, elle n'était pas elle-même. Les gens me filment et quittent sur le bord de mon gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle est même en bateau. Le plus vieux? Oui. Le plus vieux. Bon, t'allais bien. Non. Ils sont aussi costauds que ça, la gendarmerie. Oui, c'est vraiment costaud. Hola señor, bienvenue à New Shori, hein, la ville du cartel Locura. Aujourd'hui, nous avons trouvé un jeune roumain, de ce que j'ai compris, dans le besoin, un roux. C'est pas roumain, c'est nous avons décidé de lui trouver une nouvelle vie et d'essayer de le vendre dans le marché. Donc comme vous pouvez voir, hein, il est neuf, hein, tout frais. Ouvre la bouche, fait A, vous pouvez voir qu'il a pas du tout de caries. J'ouvre la bouche. Vous pouvez voir, aucune carie, tout est nickel, parfait. Bon, une petite cicatrice sous l'œil droit, mais bon, c'est rien, c'est tâche de naissance, on va dire. Sinon, qu'est-ce que tu sais faire, là, dis-nous tout. Eh ben, d'accord, du coup, ça veut dire, en gros, c'est faire la vaisselle, le ménage, porter beaucoup de trucs, etc. C'est très bon travailleur, hein, si vous voulez acheter ça dans la maison. Donc, le prix, il est de 60 000 hein, à débattre hein, pour commencer. Je vaut plus cher. Ouais, donc voilà, 60 000. Donc on va faire une petite démonstration, on va laver ce garage, vous allez voir ce qu'il vaut en direct. Hein. Il y a beaucoup de sang, voilà, il y a eu un chat qui s'est bagarré avec un autre chat. Hein. Et voilà, il va laver tout ça. Ouais, ça c'est un savoir-faire depuis des années. On dirait ta femme si c'était. Regardez-moi ça, c'est brillant, incroyable. Ouais, hein, franchement, aucune trace, hein, limite, je peux. Bon, je vais pas mettre maman, on attend que ça sèche, mais. Voilà, pour voir le mur qui est tout propre, tout nickel. Hein. T'as le balai là, ramasse la poussière, tout ça, là, allez. Hein. Et faire les sols, les murs, allez. Les ramonner aussi. Pour faire vos lacets aussi, hein, les lacets, faut pas oublier. Aussi, cirer les chaussures avec ma langue. Parfait tout ça. Donc voilà seigneur, hein, le prix de 60 000, hein, si vous êtes intéressé, merci de nous contacter sur le menu numéro prépayé, un petit numéro prépayé de notre informaticien du cartel Locura au 42 46 43 José Emilio Paredes 42. Attention. Non, c'est pas de la moustache. C'est le déguisement qu'on aime beaucoup. Pas de Daniel Fouché, celle-là. Et c'est le déguisement. Bon, j'attends la seconde main comme les bus d'Altibus, ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai moins sorti de l'eau. Oh, elle se frotte sur le mur. Elle a fait le contrôle technique, celle-là. Si, c'est la seule qui était dans la voiture. Mais vous en faites pas. Et si la moustache vous pose un problème, on en a d'autres aussi qui sont. Oui, mais t'as assez. Attendez, mais c'est comme ça que vous espérez nous convaincre avec une. Ok. Attends, qu'est-ce que c'est? Elle est en train de se frotter les fesses contre moi. Elle est. Oh putain, oui. C'est chaud, dis donc. Oh putain, je. Vas-y roulette, fais-le, vas-y roulette. Elle a oublié la moustache, comme tu sais si bien faire. Faites attention à la marchandise quand même, monsieur Caragonos. Caranonos, faites. Oui, attends, je vais. La forte pilote est taillée. Oh du temps. Et bien la place. T'inquiète pas, on laisse. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Hein. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Essayez des patrons. Avec fermeté. Quand même, hein, c'est mieux. Oui, pardon, excusez-moi, mademoiselle. En fait. Pardon, monsieur, je vous ai dit à vous rêver. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, patron, quand on est monsieur à cause de sa moustache, je trouve que c'est un peu une attaque personnelle sur le physico. Excusez-moi, nous trouvons que c'est important. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment l'impression de voir un bus d'Altibus. On peut l'appeler. Il l'appelle José généralement. Oui, oh putain, attention, mais vas-y, monsieur le président, bien entendu, hein, vous pouvez. Elle aime bien qu'on glisse quelques billets dans les. Parce qu'en plus, elle demande de l'argent. Non, mais c'est pour s'amuser, vous flottez, vous les récupérez derrière, mais.
bien se faire frotter les fesses avec un billet tous. Je peux vous le dire. Si. Alexis. À la bonne puta. Ah amigo, qui met la musico. Mais un musico qui va exciter la potasse là, un peu des musico là, des la cible, de je sais pas quoi là, Moi j'aime bien filmer avec mon téléphone. Alors, c'était la bonne musique. Si c'est Uno del Castillo. Moi t'as cette musique à la con là. J'ai Castillo de la CD qui existe. Nos chori et tout. Mais qu'est-ce que vous avez? Moi je dois être bien calmé. Si, nos chori. Viens là, viens quand tu viens contre mur sur la puto. C'est la bombe ici. Ok, tu chiffres ta musique. Ça vient jusqu'à Chile. Les mortes ici. Y'a que des ouais, elle si c'est un bon ici. Ça vient de Néo, Chori, les mortes ici. Y'a pas de risque. Allez, allez, j'arrive à la télé. C'est né, oh, c'est chaud, y'a pas la télé. Voilà, elle a fini. C'est musique là, dis donc. J'étais de la merde, mais je me suis bien amusé. La caméra? Non, ouais, pas une GoPro, j'ai pas les moyens de m'acheter une GoPro, c'est une copie chinoise, c'est une GoPro. Ça va être mon prisonnier, Seigneur. Ah bon ? Attention, je vais faire une sommation. Une sommation ? Vous êtes sérieux, vous ? C'est des Russes, non ? Si, je fais une sommation russe et il me répond que je suis sérieux. On a entamé le dialogue, c'est bon, hein ? Eh, t'as vu le pick-up qui vient de passer là ? Ouais, si, je l'ai entendu. J'ai vu un homme derrière, je crois. Ion. Où ça ? C'est bourré de Russes ! Sur moi. Je suis encore là, moi. Négatif, ils sont là. Écartez-vous du mur, je tire trois roquettes. On a un homme à terre, il y a encore des gens. Il y a sa radio avec sa fréquence, la ramasse. Je suis en train d'abattre un Ruskov. Je suis en train de prendre cher. C'est un tard.
C'est bon, vous avez bien réfléchi, c'est bon? C'est. Très bien, alors, vous êtes venu avec combien? Avec 2 millions. Bien, vous voyez, vous êtes un homme à force, vous êtes un homme qui réfléchit. C'est. Alors, bien, vous parlez pas beaucoup, vous essayez de gagner du temps, c'est ça? Et vos copains qui arrivent, c'est ça? Non. Bah alors, c'est quoi ces phrases? Oui, non, vous êtes un robot? Non, passe, non, seigneur, je suis pas un robot, non. Viens voir un petit peu, hein. Vraiment, le prochain qui vous apporte, tu lui gueules dessus, tu dis c'est toi le patron. Regarde, maintenant, regarde. Vas-y. Voilà. Vas-y, dis-lui. Oh la frangin, c'est qui? Oh la frangin. Putain de merde. Oh là. Oui, ça va, super, et toi? Non, ça va pas très bien, ça va pas très bien. Bon, ils t'ont bien traité? Oui, oui, ça va, ça va. Ils m'ont juste un petit peu branlé avec mes pieds, hein, mais... C'est... De quoi? L'autre, il a mis son sgeg sur mes pieds, là, lui. Putain de merde. C'est pas possible, ça. Ah, c'est pas possible. En même temps, qu'est-ce qu'il foutait chez nous comme ça? Oui, tiens, qu'est-ce que tu foutais chez eux comme ça? Pourquoi il était chez nous comme ça, on se balade tout seul? J'ai cassé mes roues. T'as cassé tes roues, mais qu'est-ce que tu foutais là? Mais qu'est-ce que je foutais là? Non, vas-y, c'est bon, je vais te défoncer après, je m'en bats les couilles. Vas-y, frappe là. Mais bon, le HMTT, il est blindé. Donc une balle se fiera pas. Bon, je suis en train d'essayer d'ouvrir la voiture. Eh ben, on en mettra ça. On va former, on force la serrure là. Ça m'est arrivé ça, le mec il était pas là, il a dans ses pensées, et au moment où on est en train de pique, il a commencé à démarrer, il nous a tous éclatés pratiquement. Heureusement que j'étais là. Ça va peut-être te réveiller, hein. Ah, ça m'agace. Allez, puto. Ah, ça y est, t'es réveillé. C'est bon. Tenez, il est ouvert. Allez, revendez le ciment de ce gros bâtard. Il avait qu'à pas dormir. Allez, revendez-le directement. Allez, revendez le ciment, les gars. C'est vraiment des porcs. Il est en train de dormir dedans et nous on pique ça juste son ciment, bordel. Il y a un véhicule qui arrive. C'est un van, on va le contrôler. Arrêtez-vous! Non, je vais vous hanter! Ouais, il est mort! Oh putain! Ah putain, oh il a du ciment lui aussi! Allez! Là, les gars. Si, pourquoi t'es parti comme ça? Je lui fais des pansements, vous, prenez le ciment. Ah oui, bonjour le monsieur. La prochaine fois, il saura qu'il va s'arrêter. Hein. Hermès. Ça va très bien. Il te manque par ici, bonjour le maréchal. Ah putain. Bon, normalement tu dois être stabilisé, les médecins vont pas tarder à arriver, gringos. Allez, on se casse. Ah ouais? Eh, toi tu fais le gay, tu me laisses parler, bordel. Ah ouais, t'as le fer il t'appartient? Bien sûr. Ah d'accord, tu l'as acheté à qui? Gouvernement. Ok, très bien, tu sais qui je suis? Non. Je suis Pepito, el membre del cartel Locura.
Et tout l'Ouest, il nous appartient, sac à merde. Enchanté. Si, moi aussi, je suis enchanté. Espèce d'enfoiré, va. Alors, moi, quand je travaille, t'appelles la police, c'est ça? Ah, bien sûr, parce que vous devez passer par nous pour le faire. Mais va te faire enculer, c'est toi qui va passer par nous. C'est quoi ton entreprise? C'est quelle corporation, monsieur? Ah ouais? Et tu t'es pris pour qui, là? Les maîtres du monde, c'est ça? Et bah alors quoi, avant de t'installer ici sur notre territoire, tu crois pas que ça serait mieux d'aller nous voir pour aller discuter du fer, justement? Bah, je crois que les patrons avaient eu déjà rendez-vous, hein. Ils ont eu rendez-vous avec les membres du cartel? Alors là, je sais pas encore, mais il y a eu des hommes en blanc comme lui, là. Des hommes en blanc comme lui? Non, mais toi, tu te fous vraiment de la gueule du monde, toi. Je crois que je vais t'arracher la tête, toi. Je vais t'apprendre leur respect, sac à merde. Après, on peut prendre rendez-vous, si vous voulez. Aïe! Tiens, ça c'est pour appeler la police. Espèce de bâtard, de balance. Et toi, regarde bien comment on traite les balances. Vous m'entendez, amigo? Ouais, on t'entend. Les flics deviennent passer, ils viennent de passer sur le traitement. Ils viennent de passer sur le traitement? Si, si. Alors, comment est-ce qu'on va procéder maintenant que je sais que t'es un enfoiré? Ah ouais, tu crois ça? Ouais, vous voyez, cet homme là. Passe-moi. Quoi? Parle plus fort. Cet homme là. Ouais. Tu me voir notre patron pour en discuter. Alors je sais pas qui c'était, mais bon. Contact. Vito, il y a les fouillots, il y a les fouillots, il y a les fouillots. Il y a les fouillots, il y a les fouillots, il y a les fouillots. Si, couvrez-moi, je vais leur parler. Si, ça va, ça va, ça va, ça va. Si, si, ça va, ça va, ça va, ça va. Tirez pas, baissez vos armes, personne va tirer, tout va bien se passer, seigneur. Dans le dos déjà, monsieur. Si, bah vous aussi alors. Hop là. Votre collègue également. Tout le monde baisse les armes, personne tire sur la police. Si, ok. Alors, messieurs. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Si. Si, s'il vous plaît, messieurs, rangez vos armes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe. On fait du fer pour une fois. On essaie de travailler, là, tu vois. On travaille la terre avec nos pioches. C'est vos hommes au traitement de fer qu'on a vu? Non. Ça, c'est mes hommes ici, là, avec mon camion. Et donc, j'arrive au traitement, là, et cet enfoiré, il arrive et il dit, le fer, il est à moi. Vous avez rien à faire là. Allez vous faire enculer. Regardez, regardez comment je suis habillé, comment il me traite comme ça, cet enfoiré. Ouais, le monsieur qui est là-bas qui est habillé là? Si. Et vous étiez habillé comme ça, le monsieur vous parle comme ça? Si. Excusez-moi du terme, mais monsieur est un peu con, hein. Si, bah allez où lui foutre une claque de ma part? C'est quoi votre nom, monsieur là? Bonjour. Bonjour. Mais t'es complètement de con de parler aux gens comme ça? Oh. Je parle pas comme ça, j'aurais dit que le fer. Oh. Aïe! Oh. Aïe! Oh! Aïe! Bon, alors de une, tu vas t'excuser au monsieur là. Okay. Excuse-toi, le monsieur qui est en face de toi, tu t'excuses. Ah, d'accord, il me crache dessus, il me frappe et j'avais. Et monsieur. Bon, brigadier, je vous rappelle qu'on n'est pas là non plus pour donner raison à terreau. Non, mais je sais. D'accord, merci. Je suis désolé. Si, mais si j'aurais voulu, j'aurais pu le tuer en un claquement de doigts, hein. Pour une fois qu'on se tire pas dessus, mon lieutenant, excusez-moi, mais. On n'insulte pas des gens sans raison. Bah monsieur, en même temps, regardez comment ils sont armés, regarde comment vous êtes. Bon, écoute-moi bien maintenant là, tu vas nous laisser travailler le fer. Non, c'est à nous le faire, monsieur. Monsieur. Oh là là, tu cherches la guerre ou quoi? Bon monsieur, écoutez-moi ce que je vous propose là. On va le récupérer, on va lui faire un petit peu de son de morale. Dirais, est-ce que c'est son camion qui est là-bas là? Non, c'est le nôtre. C'est la mienne, d'accord. C'est mon camion. Là. C'est lui, on va le libérer. Vous nous les rendez. Nous, on vous laisse repartir avec votre équipement. Oui. C'est incroyable. Ah, monsieur, ah, merci. On vous laisse sur place. Hein. Bah oui. Mais non, mais. Si, et si t'as un problème avec quel cartel, tu le dis tout de suite. Hein. On peut arranger ça. Là, ton entreprise, elle explose le lendemain, hein, enfoiré. Tu vas nous laisser faire le faire comme on l'entend, t'as compris? Va te faire enculer. Oh,
et ils savent pas conduire. Allez, l'équipe est dans la hamac. Je pense qu'ils vont finir l'allô dans 5 minutes. Hein. Ah bah laissez-nous allô comme ça on rentre chez nous. C'est quoi ton prénom hein. Là oh, c'est quoi vos prénoms là? C'est bon, on s'en bat les couilles, je veux du silence dans la voiture maintenant. C'est Bernard et Chantal. Bah, voilà, c'est où là? Écoute, le chauffeur. Attends, on est reparti vers chez nous là. On est attendu, on est attendu. On est vers chez nous. Tu vas pas qu'on s'arrête à l'héroïna? Pourquoi tu me regardes comme ça toi? S'arrêter vers l'héroïna. Vas-y, casse-toi. Allez. Je sais pas, mais votre collègue il pue un peu du cul, hein. Faudrait qu'il pète un peu, je sais pas moi, dans la banquette avant. Hey. Ok, alors attendez, ça va pas être compliqué. J'ai un otage là qui dit qu'on a un de nos gars qui pue du cul, demande autorisation de l'abattre. Oh non, c'est le Matif. T'as Bernard. Affirmatif, allez, tu descends, t'avais qu'à pas dire des conneries. Tu lui mets une balle dans la tête et tu l'abats, ce connard. Oh, mais c'est bon quoi, les gars, regardez. Santé, j'ai bu, j'ai picolé, c'est pas rigolo. Allez, abat-moi ce sac à merde. Bon, ma petite demoiselle, j'espère que vous allez être moins conne que votre mari. Oh, mais vous avez tué Bernard. Attendez, laissez-moi sortir, je vais le sauver. Laissez-moi sortir. Ta gueule. Oh. Ok, on a un otage à terre, hein. Très bien, très bien. Ils sont sortis à temps, les cons. Et toi, tu dis ça à la bouche... Tu dis ça à la bouche pleine, toi. Gros, il y a un tank qui est en train de bouffer, je vois un tank arriver. Il est où le quatrième otage? Et puis c'est un peu... C'est un ah oui, peu c'est cher, un vrai alors. Tank, c'est pas genre un Marshall, c'est un vrai blindé là, T-90 en visuel. Hein. Il est où le blindé? Azimut 95, 90. Ça me dérange pas de vous filer un coup de main, mais s'il m'arrive quelque chose, je pense qu'on va avoir des ennuis par la suite. Tu recules avec ton tank maintenant, sac à merde. On l'a fait directement, y'a pas. Allez, remontez tous dans les pick-up, laissez les otages au sol. Ok, et... très bien, je la laisse de pute là. Oui, libérez-les, on s'en fout maintenant. On s'en fout des codes de couleur, les gars. Les papiers, mais c'est présenté, hein. On s'en fout des coups de couleur, on s'arrache. On va direction où? A ton avis. Arrête, un peu tard, hein. Très bien. Direction Attila, tête de con. Comment ça, direction? Qui est Attila? Mais oui, mais c'est pour lui répondre. Question débile, réponse conne. Oh, sur sérieux? Courez, les gars, courez. Ils ont tiré sur quoi, là? Ils ont pas tenu la palo, c'est encoulé. Les gars sont en train d'allumer tout le monde, on s'arrache. Ils sont sérieux ces enculés, on les laisse repartir. C'est des fous de pute, ils ont pas tenu la parole. Reste allongé par contre, hein. Surtout vous montrez pas. Et moi, monsieur, viens avec moi. Pépé, mets-toi allongé. Putain, c'est quoi cette histoire de malade? Là, je pense que c'est... Je sais pas, mais cette fois, je sais pas ce que vous avez tenté de faire. Bonjour, un jour, j'ai vu un tank. Et il m'a tiré un obus dans la gueule. Et les médecins, ils sont forts. Ils font de la chirurgie à reconstitutrice. Et t'as vu, ils t'ont reconnu un visage, mais je suis pas sûr que ça soit le tien. Hein. Bordel. Ah ouais? J'avais pas de balle. Oh, de la pilosité. Merci.